Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Fable 3. Donc on est toujours à chercher des points de réputation pour la ville de Brightwall, hein. Alors, on va aller faire une petite quête, toujours sympathique. Par pitié, aidez-moi, je suis si inquiète. C'est ma fille, je ne la trouve nulle part. Cette petite polissonne n'arrête pas d'aller à droite et à gauche. Elle finit toujours par revenir, mais... Là, c'est différent. Elle a disparu depuis de longues heures. Je me fais un sang d'encre. C'est la faute de son père. Il n'arrête pas de parler de tout cet or caché dans les grottes de la vallée de Mist Peak. Oh, merci. Merci infiniment. Alors, donc, nous partons à la recherche de la petite fille. Petit temps de chargement, hein, c'est pas... J'aime beaucoup les pancartes. Enfin, les affiches plutôt. Les affiches affichées. Alors, c'était pas si long, mine de rien, hein. C'est vrai qu'une fois qu'on a joué à Skyrim, il y a plus... je pense qu'il n'y a plus aucun temps de chargement qu'on trouve long. Et voilà. Cool, parfait, ça c'était un succès. C'est un combo, il me semble, poussé, si je me rappelle bien. Je crois qu'il faut donner un coup. Un coup d'épée ou autre, et puis un coup de fusil quand il faut tuer l'ennemi quand il est encore en l'air. Voilà, je pense que c'est ça. Alors. Tac, tac. Je crois que c'est bon, voilà, on s'en élimine ceux-là aussi, et puis on sera tranquille. Voilà. Alors, tiens, il y a un coffre là, là il n'y a rien. Le chien va certainement me demander de creuser, non? Ah, c'est étonnant, franchement, j'aurais cru qu'il. Mais bon. Ouais, trésor. Il a détecté vachement vite, hein. Alors, c'est parti pour les cavernes du soufre glacial. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué Fable 3. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Hein. Et moi personnellement, bon l'histoire, bon, allez, faut dire que c'est vrai. L'histoire, ils ont pris quelques raccourcis, ça aurait été un peu plus peaufiné, ça aurait été un peu mieux. Mais je trouve que tout ce qui est décor, tout ce qui est carte et tout ça, ça apporte un véritable changement par rapport à Fable 2. Fable 1, c'est vrai que j'ai toujours pas fait, oui, je sais, il faudrait que je le fasse assez vite. Et je vous dirai franchement ce que j'en pense, hein. Donc, quand je ferai Fable 1, je pourrai enfin comparer les trois. On ne parlera certainement pas du Fable Journée, qui pour moi est... une vraie bouse, hein. Je sais pas, il me tente pas du tout. Bon, ça, j'ai pas le droit de dire que c'est... Tiens, là voilà. J'ai pas le droit de dire que c'est une vraie bouse parce que j'y ai pas joué. Pour la récupérer. C'est vrai que j'y ai pas joué donc je peux pas juger. J'ai rien dit, on va dire que voilà, qu'il est différent, qu'on peut pas le relier à la série. Donc j'étais. Ouais voilà, donc les. Pour moi les décors sont quand même plutôt jolis, hein. C'est vrai qu'ils ont fait un bon boulot sur les décors. Voilà. C'était. J'avais envie de juste dire ça pour quand même. Hop, voilà. C'est bon, il n'y en a plus? Ok. J'avais envie de dire ça quand même
Non, il n'y a plus rien, ok. J'ai un trou, je fais n'importe quoi, tiens, pourquoi est-ce qu'il... Voilà, bon, prends la main. Je sais plus, je voulais dire quelque chose et j'ai perdu le fil, j'ai tué les loups et je me suis... Tiens, il y a des loups là ou pas? Ouais, là, il y a des loups. Je disais que voilà, je voulais quand même soutenir le jeu par rapport à ça. Et... Pourquoi je peux pas? Voilà. Il n'y a rien qui va, il y a des jours comme ça où... Il vaut mieux, je pense, ne rien dire, je jouais... Oh, putain, voilà. Ouais, évidemment. Ça, c'est vrai que c'est un reproche que j'ai par rapport au jeu. Par rapport... Les mêmes touches font plusieurs actions. Donc si vous vous trouvez plus proche du chien, par exemple, que de la petite fille que vous faites LT, et ben vous vous retrouvez à parler au chien. Voilà. C'est complètement... Je sais pas, je trouve que le système était... Pourquoi elle vient pas? Elle est bloquée ou quoi? Je trouve que le système de Fable 2 était beaucoup mieux avec sa roue et tout ce qu'il fallait, quoi. Je sais pas ce que... Voilà. Toute façon, un petit coup d'éclair règle toujours les problèmes. Alors, il me semble, il faut savoir qu'on ne peut pas se téléporter quand on a Ma quelqu'un maman par la m'a main. dit de ne pas parler Ça, à c'est vachement chiant, qu'on est obligé de se taper tout le chemin. Je vais vous parler par exemple des rendez-vous. Si vous voulez un rendez-vous avec quelqu'un et qui veut se trouver à un endroit qu'il aime bien, je me rappelle, enfin, je pense pas qu'on est. Je pense qu'il faut vraiment se taper tout le chemin à pattes, quoi. Voilà, donc ça, c'est vraiment un gros point négatif. Ah, J'ai bonjour. quand même essayé pour voir, mais il me semble que ce serait bien de pouvoir le faire. Non, on peut pas. Voilà. Ça, c'est vraiment chiant, par contre. On est obligé de tout se taper à pattes. Les C'est grattes. vraiment... Voilà. Moi, ça m'énerve. Bon, pour les quêtes, à la limite, je peux comprendre. Mais pour... Tiens, il y a des loups encore. Par exemple, pour les rendez-vous ou quoi, c'est... C'est pas grave. Tu peux pas lui tirer dessus? Une petite balle dans la tête. Je sais même pas si elle peut mourir. Je pense qu'on ne peut pas rater la quête de toute façon. Je veux bien monter la garde, mais à une condition. Seulement en échange de... Ouais, Rien de plus. ce système de tenir les mains, c'est avec une enfant ça passe, mais avec des adultes sérieux quoi. Tiens, je viens te sauver, donne-moi la main, suis-moi. Tac, voilà. Et voilà, ça recommence. Tu peux arracher l'oreille de quelqu'un avec ça? On est bientôt arrivés? Je sais pas si PC. Je sais pas si PC. Eh ben dis donc, je sais pas si sur PC le problème est le même. Parce que vu que sur les touches, en tout cas de la Xbox, on a la même touche fait plusieurs actions. Je ne sais pas si sur PC, il y a peut-être moyen de changer. Non, ben non, sinon ça va être la même action, donc ça doit être parfois le même problème. C'est quand qu'on arrive? Alors, on va pouvoir la rendre à sa mère et finir. Voilà, parfait. Mon trésor adoré! Mon petit trésor! Quel soulagement! Je n'en pouvais plus! Merci infiniment. Je vous suis éternellement reconnaissante. Et voilà, donc nous avons encore fait une petite quête. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera très très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, hein. Et je vous dis à la prochaine. Voilà. Allez, salut tout le monde, à plus.